Troisième. Hop. Voilà, j'ai créé la vidéo numéro 1. Là, c'est magique, hein, ça va très vite. Coupe de cristal. Ah, y a du bon. Y'a un bon ici. Attends, on n'a pas des nouvelles cartes. Je me fasse pas baiser. Non, mais. Oh, carte rétro. Je vais pas me faire baiser la gueule, hein. Alors, bon. Pas me faire baiser la gueule. Ah, mais il faut que tu vois ça, Benjamin. Il y a toute une playlist sur les délires de GTA et franchement, la grosse majorité sont drôles. J'avais fait un mini bad buzz avec Et en plus, le le. mec, il s'était branlé alors que j'étais en train de boire un whisky dans GTA. Ah, ça c'est autre chose, mais ouais, ça aussi c'est dans la même playlist. Mais j'avais fait un mini bad buzz avec une vidéo que j'avais appelée Remake du 11 septembre. C'était pas passé. Ah, oh, je m'en rappelle les forums et tout. Ah, je t'ai pris des. J'étais pris des insultes et le nombre de pouces rouges qu'il y a sur les vidéos. Il y en a deux en plus, il y a deux remakes du 11 septembre. Partie 1 et partie 2 ou un truc comme ça. Oh, si on peut plus rigoler. Et puis après, on avait pris ça avec ironie dans une autre vidéo. En plus, on avait dit des conneries. C'est genre. T'imagines le mec, il est pas mort le 11 septembre, mais il est mort le 12! La baise! Genre, il a survécu à ça, mais il me crève après, quoi. Je l'avais vu, ça se fait. Ah ouais, franchement, c'est de l'humour bon enfant, mais le titre a été très très mal pris par des gens. Si, Rose. En fait, c'est que dans GTA 5, t'as l'animation branlette. Et en fait, son personnage à Pinkfall, parce qu'on était en ligne du coup, son personnage il était en train de boire un whisky. Et moi, en fait, j'étais en train de faire l'animation branlette. Et en fait, il y avait mon bras qui passait entre son bras pendant que je faisais l'animation branlette. Donc ça faisait vraiment comme si on était liés et que je faisais ça en même temps. Genre le truc pas du tout Pendant que le malaisant, mec il boit quoi. son scream, tu lui branles la queue. C'est normal. C'était pas du tout malaisant, c'est magnifique. Non. On était morts de rire. En plus, j'avais filmé ça au pif. À la base, c'était une session à la con entre potes. Je savais même pas du tout si j'allais mettre ça en ligne, mais je me suis dit, ça se trouve, il va y avoir des passages drôles et pas manqués en fait. On a dit tellement de conneries. Cette course. Enfin, elle est courte cette course. Oula. Ah putain, la cultatie pendant les vagues. On était sur le toit avec Clem et tout à protéger. Et puis normal, t'imagines le mec alarmé en temps de guerre et le mec il veut le seul commentaire c'est sur les culs du mec à côté quoi. Tu l'as fait chez Tati ton Chez Tati Tatou. La question, le moment qui est bienvenu pour poser la question, tu sais. What the fuck? Ah, il y avait le passage aussi où justement on était dans la base militaire et qu'on était poursuivi par les flics et Champa qui sort. C'est normal que t'es poursuivi, t'as une bouteille de pastis dans le coffre. Les mecs, tu leur voles l'apéro, tu m'étonnes qu'ils te poursuivent. Quand fallait s'échapper aussi avec un caddie en caddie de golf et tout, 5 étoiles, mais te barrer en caddie de golf. Oh, le défi de merde, quoi. C'était des défis souvent qu'ils nous donnaient en plus sur jeuxvideo.com. Qui était nawak. Il y avait des trucs. Et parfois c'était des viewers de la chaîne, mais. Des tanks à me coller au cul. Et il y a une de nos vidéos de délire GTA qui doit être rendue à plus de 200 000 vues maintenant sans aucune raison.
Ah bon? Oui, je sais pas pourquoi, la vidéo elle a plein de vues. Il y a plein de gens qui la regardent. Des fois je reçois des commentaires de gros bains dessus en plus. Ah, ah l'enculé! C'était un gros coup de chat, mais le deuxième par contre. T'en avais encore à 3 CM. Ouais. Au cas où. Il m'emmerde, je sais pas pourquoi je la sens mal cette fois. Attends, et le mec sérieux quoi. Il se fait buter, il arrive devant moi, il rebondit. Je crois que je continue à le pousser, du coup il reste devant en ce moment. La grosse baise. Ouais, t'aimes ça les grosses baises. Mais genre, je me suis pris ça alors que j'avais une protection. Le jeu qui triche quoi. C'est toi? Non. Bon, le Dr. Engine qui s'est excité. Boum boum! Une belle blonde avec deux gros sacs de glace dans ma tête. C'est Cortex qui dit ça. Ah, voilà. Ma tête. Cortex qui subit des migraines tout le temps. Oh putain de ta race d'enculé, fils de pute. Ce n'était qu'une expérience. On va encore gagner. C'est non, salut Rosine. Ouais, c'est tenter de tuer 27 personnes au couteau qui a eu plein de vues. C'est là où Champak il explique le principe de l'entreprise casse-couille. Et d'ailleurs, Champak, tu le sais pas, mais j'ai voulu faire un peu de GTA 5 RP. Et je ferai peut-être des streams dessus, je concrétiserai peut-être le truc un jour. On aimerait bien avec Chrony, mais faut qu'on soit motivé parce que faut passer des putains d'entretiens. En fait, j'ai créé Michel Entrecôte et je voulais faire du RP avec Michel Entrecôte. Et ça après, peut être drôle quoi. Après cette coupe, je mettrai le ventilo, monsieur, juste en face. Ça vous embête pas si je débranche le radiateur? En fait, il fait clim aussi, mais c'est une clim de merde. Genre, si j'allume ça, ça fait un petit rafraîchissement. Mais je trouve que c'est bof. Et en plus, ça fait du boucan. Ah putain, ça fait penser aux mines dans Mario, ça. Ah, et j'ai écrit une fiche de personnage sur lui et tout. Enfin, c'est le gros bordel, quoi. Mais c'est chiant, sur leur serveur, ils sont souvent passés des entretiens, genre comme des entretiens d'embauche. Tous ces casse-couilles. Ah, il est un... ce niveau, il est horrible. Putain. Enough. Oh, il a l'air chiant ce niveau, effectivement. Je me souviens pas trop, mais il a l'air chiant. Bon, oh, merci le collègue de m'avoir... Mais merde. Non, attends, tu vas avoir un bonus. Non, non. Tu vas avoir un code. C'est ça quand on veut rentrer et que j'ai le hookah. Ou va te faire enculer. Ah, et celle-là. Je trouve le moyen de me faire doubler alors que tout le monde est au ralenti quoi. Normal. Mais merde quoi. Des putains. Je me prends tous les trucs dans la gueule. Bien fait pour ta gueule. Je suis 8ème quoi, le cancer. Alors, bouger, là. C'est la violence. Oh, je suis passé de 8ème à 2ème, c'est quoi ce bordel? J'arrive. Tout le monde a l'air d'être serré comme des sardines au fond de cette boîte. Tiens! Va te faire enculer.
mais bien profond. Ah, Dingo Deal là. Prends malin, Dingo Deal. T'arrives à le rattraper cet enfoiré. Ah, peut-être que si. Oui! Ah, t'es sérieux là? Dommage. Ouais, enfin, j'ai que 4ème. Hein. Je pense que je me fais bien baiser sur cette coupe encore. A plus tard, Lucky Van. Ça vous embête pas si je coupe internet pour brancher une ventilo? Ouais, serveur RP GTA. On va faire une session rafraîchissement. En fait, t'as plein de serveurs RP GTA et c'est sympa. Le concept est sympa, franchement. Tu peux avoir un métier, tu peux faire plein de trucs. Regarde, papa, c'est le monsieur qui sait pas jouer. Regarde. Pourquoi? Pourquoi il y en a sur la photo? Ah, oh, putain. Ah, lui, je m'en souviens. Et lui, il y a un raccourci qui est super dur à prendre. Non. Si. Non. Si. Je crois savoir à peu près... Je peux vous suivre? Non, mais non. De toute façon, je pense pas que j'arriverai à le prendre. Faut de l'entraînement. Cortex. Non. Oh, comme ta sœur. Je t'avais dit de pas venir. Et là. Ah putain, j'aurais pas dû essayer. Je sais même pas comment on recule, putain. Le stick vers l'arrière, stick gauche vers l'arrière. Ouais. J'essayais de le prendre comme un gros connard, mais. Putain, mais j'ai le turbo, je peux... Oh, mais... Ah, une belle voix bien énervante, Coco. Ça me donnerait presque envie de la prendre pour narguer les gens. Les missiles là maintenant. La mélodie des sticks. Ça c'est toi ça, la mélodie des sticks. On fait un tournoi Metal Gear. Non, merci. Allez. T'as vu, j'ai les yeux dans le dos. T'as vu? Ouais, ouais. C'est si cacliste. T'as vu? C'est si cacliste. J'ai vu. Ah putain, merde, je me suis fait baiser. Voilà. 8ème premier, hein, je crois que là. Non! Ah si. Non. Ah si. Non. Ah si. Carrément si. Hey, on appelle ça courir. Ça sent la merde ce tournoi là. Ce n'était qu'une expérience. Il y avait quoi les shields du même cinéma entre les boîtes types? Dagozy, le seul perso où quand il prend un accélérateur, tu crois qu'il s'est mangé un ralentissement. Non mais le pire c'est que j'ai eu le temps
et j'avais l'accélérateur, mais tant qu'il y avait le ralentissement, je ne pouvais pas l'utiliser. Bien sûr, t'as compris tout ce que j'ai dit. J'ai pas écouté, t'as dit quoi? Merci. 8 à 24, quoi. Branlez. Crash Bandicoot, pour la dernière fois, donne-moi les cristaux. On peut pas savoir quoi. Ah oui, ce que t'as dit, mais j'ai pas écouté. Regardez le stricheur. Dingo, dingo, dingo. Les alertes, quoi. Dingo, 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 dingo. Gros con, quoi. Dingo, dingo, dingo. Tu vas mettre ta merde de ventilo, là. Oui. Dingo, dingo, dingo. T'as rien de nouveau, hein. Non, il nous l'aurait dit sinon. Est-ce que je peux dis... Quoi? De l'eau assise dans le ventilo pour lui mettre de l'eau. C'est ton ventilo, hein, mais... Non, mais ça va. Je suis pas responsable des dégâts, hein. Lui, si. Ça, c'est du gâchis, ça. Le bâtiment achète, lui, si. Non, par contre, est-ce que t'as un... Ouais, ah, il faut que j'ai une clé. Celle-là, la vieille bouteille de Volvic là. Une bouteille de Volvic. Bon bah on va couper internet. C'est où le plus proche? Eh ben... Attends, le câble c'est long pour aller jusqu'à... La box. Le radiateur. Ça sert à rien. Avant de... Je branche. J'attends. Attends. Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 2, fort ou de bœuf? J'avais pas compris sur moi. Bravo, bravo. On arrive. On arrive. Il est en train de pisser. En train de pisser dans son ventilo. Le gros dégueulasse. Je vous jure, hein, il a sorti son skeg là. Du coup, quand il va allumer le ventilo, ça va sortir une bonne odeur. Ça va se diffuser dans toute la pièce. Ouais, je sais pas. Hein. Ah, il pisse un paquet en hein, forêt. T'as pas de glace? Je parie que j'essaie. Je vais attendre. Non, mais si c'est pour en faire maintenant, c'est pas possible. Regarde. On s'en fout, mais... Ok.
vais mettre des glaçons dans son pipi. Merde. Ah bah voilà. Ah, il a chié là. Là, il a lâché le gros sœur dans l'eau. C'est dégueulasse. Vous voyez, il y a des viewers qui débarquent, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes dégueulasse, monsieur Delco. Avec la musique qu'il doit y avoir en plus, la ta-ta-ta. Juste par contre, monsieur Tenko, de bouger un tout petit peu la table parce que sinon on va rien sentir. Ah ouais, à ce point-là. Ok. Attention. Voilà. Ça devait être monstrueux le bruit que vous avez entendu. Sont des choses qui arrivent. T'as branché ? Non, j'attendais ton signal. Pas aimé le déplacement de table. Tu me dis si ça si tu sens ou pas. Ouais, je sens bien. Ouais, enfin, il va pas trop fort. Mais en pivotant ou je laisse fixe les machins. Non, laisse comme ça, je pense. Sauf si ça te dérange, mais. Pivoter. Ouais. Ouais, comme ça, ça. Parce que je voudrais pas que ça souffle trop dans le micro non plus. Oui, ça fait du bien. Ouais. Ça va. D'ailleurs, Champac, DBZ, il me reste moins de 40 épisodes. Là, c'est, j'arrive presque sur la fin, ça fait chier. Mais... Ouais. Ta 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 ta. Ta 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 ta. La grosse tata. Attends. Là, tu sens quand même ? Oui. Ok. Complètement con ! Ta 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 ! Je bois un peu.
La grosse tata. Ah bah là c'est parfait là. Et c'est de l'air chaud là, non? Non. Ah si, ça y est, je sens un peu. Tu sens quand même? Ouais, mais par à coup. Oui, bah c'est normal, ça pivote. Ah bravo. Bah, tu m'as dit de laisser. Je vais pivoter ou pas? Je sais pas, c'est des... ça m'avait l'air d'être mieux avant, mais je sentais peut-être moins, j'en sais rien. Ah oui, non, non, non. Comme ça, ça va? Ouais. Ouais? Ouais. Ok, bah ça me va aussi. Vous êtes toujours là? Arrêtez, ça fait du bien quand même. Les viewers, ils sont morts là, c'est fini. Ils nous ont entendu faire des ploufs dans l'eau, ils se posaient des questions. Ils ont préféré partir. Qu'est-ce que c'est con? Le mec il chie dans son truc à eau. Ça diffuse une odeur après. Ah oh, avec la putain. Oh putain. Mourir. Problème de connexion, Benjamin. Ah putain, non. Ah putain, je déteste. Col polar. Oui, il est chiant, je crois. Oh putain, j'ai fait une autre forme de bordel. Celle-là, tu vas te la prendre aussi. Oh, ta race, le téléphone, là. Voilà, 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 alors voilà le truc que je déteste. Oh, ça se voit que je suis à l'aise. Blaise. Oh, ce virage de plus. Bah non. Et ça c'est le premier niveau qui m'a fait hurler. De rire. Oh, moi. Oui. Je me suis explosé la voix. Ça va tant mieux. Ah. Oumbola, t'es donc. Ah, il est premier cet enculé. Mais non. J'arrive. Oh, on allait vous faire enculer les fucks. On va te faire enculer le mur. Très bien. Je suis content. Ah ! Oh le... C'est pas bien ça, monsieur. Ça tient quoi ? Non, mais non ! C'est pas moi. Oui. Non, c'est pas moi, je suis premier. Oui ! T'es premier parce que tu m'as envoyé un missile. Non !
enculé. Le gros chatteux. Vous m'avez bien aidé, monsieur Telco. Ce n'était qu'une expérience. Ouais. Il est largage de bombes à ce que j'entends. Ah, il y a eu des trucs dans la flotte, mais... N'empêche, ouais, tu sens bien la fraîcheur, ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh oui. Oh ouais. T'es toujours là, Rosine, au fait, ou pas? Et Champac, t'es toujours là? Pa-la-pa-pa-pa, Labo Engine. J'ai fil du home cinéma entre les doigts de Pink Floyd. Quoi? Ah oui, c'était quoi? En fait, on voit mal les... Ah oui, non, continuez. Ah merde, on fallait continuer. T'inquiète, je gère. Bouge de là. Alors ça va se payer très cher, ça. C'est pas moi. Oui, oui. Ça va se payer très cher, monsieur. C'est Reaper Roux. Ouais, c'est ça, oui. Si, je l'ai vu. Oui. Il avait Ouka Ouka. Quel enfoiré. J'aurais tellement pas fait ça, moi. Ah, merde. Ah. Ah, merde. Non. J'ai eu de la chance avec le premier, mais... Non ! Oui ! Le trophée est pour moi ! Dit-il en étant septième. Le trophée est quand même pour moi ! J'arrive. De toute façon, ton jardin il est gay comme ta sœur. Mon jardin, de toute façon, il est gay de toute façon comme ta sœur. Non. Mais si. En attendant, ta sœur elle est gay. Dégueulasse la vache qui rit dans l'huile. C'est vrai. De toute façon, on est d'accord que Call of Duty et Dynasty Warriors, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Enfin, presque, mais... On va me baiser sur ce circuit. Non, j'ai mon stick qui se barre, putain! Fais chier, je suis tombé à cause de ça en plus! Putain de merde! Putain, mais non, je peux plus contrôler, fais chier! Oh merde, voilà, mon stick s'est barré, on va essayer de se déverdescendre. Putain, mais sérieusement quoi! Ce n'était qu'une expérience! La blague. Ça m'arrive des fois quand t'es en fait le truc insupportable. Oh, ça m'arrive jamais. Bah impeccable. Et bah voilà, votre jeu est exaucé.
Heureusement, j'étais bien en plus dans la course. Mais vous avez fini très bien. Non. Bah, c'est bon, c'est remis. Il a trafiqué mes sticks pendant que je regardais pas. C'est ça que j'ai perdu. Kingfold triche. C'est complètement faux. Complètement vrai. Le plein de jus. C'est un peu gay, quoi. Et le plein de jus. Avec des fruits. Ah putain, alors tu vas voir. Ça a l'air bien ça. C'est le circuit que je déteste par excellence. Celui auquel j'ai passé une heure dessus tout à l'heure. Il a l'air vachement bien. Ouais. Si vous terminez premier, vous avez tout mon respect. Bouge de là, l'ami. Là, je réussis pas mon boost de départ. C'est comme le circuit arc-en-ciel. Oui. Oui, non, mais voilà. D'accord. Ah bah, c'est même pas la communication. Je fais une croix là-dessus. Sûrement pas. Et dis-toi qu'en plus, j'ai dû le refaire contre Pinstream tout à l'heure. Très bien. T'as une chance sur 6 d'avoir ce circuit au boss, bah tu te manges. Fallait la prendre la TNT, monsieur Jacko. C'est moi qui l'a posé. Est-ce que pas ? Jouer de canon là, qui m'a frôlé les fesses. Tu pouvais éviter de prendre mes caisses. On verra ça plus tard. Ouais. Ah, allez, ça va, c'est moi qui me fais baiser la gueule. Seule caisse qu'on me laisse, c'est la TNT, les gars. Wow, c'est pas mal. Voilà, puis ça, par contre, je me l'ai. Bah, je crois qu'il y aura pas de potion. Quel con! T'étais devant moi, Tempo. J'ai voulu me baiser la gueule. Je suis tombé. Ah bah c'est le karma, ça. J'avais pas essayé de me baiser la gueule. Bon, ça va, tu vas faire un point. Because you see.
Putain, j'essaie de te baiser avec ça en plus. Le mec au dernier moment. C'est ce gros cut. C'était pas très catholique, je vous l'avoue. Ah non, c'était très protestant là. Je vous l'avoue, je le confesse. Voire éventuellement musulman à ce niveau-là. Pour dire à quel point ça s'éloigne du catholique. Et Champagne, il est toujours là ? Champagne est peut-être parti. Il doit être parti. Il n'a pas répondu tout à l'heure. Le parcours de la muerte. Vous comprenez, j'avais besoin de points. Ouais, moi aussi. Moi, je fais un tournoi un petit peu... T'as 2 points, là. Je suis à 12. Bon, le premier, on a 24, donc c'est mort. Ordinateur triche. Ouais, non, mais le PC est cheaté. Enculé. Ah, putain, non. Le stade glissade. On l'a fait tout à l'heure. Oui, mais ah justement. Non, si, non. Je sais plus. Tu m'as parlé, j'ai pas regardé. Mon plan a fonctionné. Ah bah tiens, il y avait longtemps. Ah bah ça va, on est deux. Moi je suis 8ème. T'es à droite, Tenko, sur les écrans. Je regarde, moi. Et tu veux connaître la couleur de mes sous-vêtements aussi, non? Je t'en ai jamais comme voisin. Ouais, grand. Mais ça c'est Marcel, c'est différent. Ouais, c'est chat qui s'appelle Marcel. Il a fait son chat Marcel, sérieusement. Oui, mais c'est une référence à un truc à nous, en fait. Marcel, il est cool. Pas tes bateaux, c'est plus la merde. Ah, tiens, ça faisait longtemps que je m'en étais pas pris, ça devait faire au moins... Tiens. Ah, moi, j'ai mal l'idée. T'amuses ? Pourquoi la pédale ? Plus, l'ami ! Plus, Jamie ! Non. Mange ta boule. Oui, roule ta vie. Mange ta pizza. Pourquoi tout le monde est vide? Pourquoi? J'ai mis le reste du kebab au frigo, oui, je crois. Je pense. Ça, c'est un cadeau. C'est manger un bon gros kebab. Voilà, je pense que je vais faire de la grosse merde du début à la fin. Oh oui! Pas de oui, ça. Je suis le meilleur. Là, un beau zéro. Ah, complètement, Ben, je désire. C'est une bonne baisse. Tu as déverrouillé un nouvel autocalon. Autocalon. Autocalon, ouais. Et celle-là, je vais te la caler. Autocalon, ouais. Autocollant. Hop, hop, et hop. Lorsqu'on te colle une caisse de TNT sur la tête, commence à bondir immédiatement. Si tu fais suffisamment de bond, la caisse de TNT va tomber avant d'exploser. Mais ce qui précise pas, c'est que si t'arrives sur une autre caisse de TNT pendant que t'as celle-là, tu te prends tout dans la gueule. Très bien. Tango, tango, tango.
Pas aujourd'hui, je crois. Si, une fois. Mais il n'est pas là. Derrière, là. Il balance de la boue partout, lui. Je te dis que c'est de la boue. Ah. De la merde. De la merguez. Dégoulinante. La bonne grosse merguez. On est à quoi là ? La coupe vélo. Ah, nous on a fait celle-là, ouais, c'est ça. Coupe vélo. Fais voir après les autres. Oh, je connais. Alors ceux-là, je connais pas du tout. Oh. Bon bah écoute, va pour la coupe vélo. Ouais. Du coup, c'est de la merde. Ton jardin, je l'emmerde. Mais... Sans ton jardin, il est gay comme ta sœur. Ton kart, il est trop 15e siècle. Il est trop baroque. Bravo. Quelle heure il est ? Ah, ça va. 23h. Ouais. Il infernal. Ah bah je connais pas non plus celle-là. Bon bah écoute, on va improviser. Échauffez la gomme. Attention. C'est moi où il balance des merdes. Non. Attention. On dirait le. On dirait que c'est en mode miroir mais qu'il fait lui. Je sais pas. Ah si. On se voit à l'arrivée. Le PD. Tout ça. J'aime pas les circuits de nuit. Vas-y, baisez-moi mes pièces, bande d'enculés. A plus, ami. Plus, joli. Tu me fais chier. Ah, mais oui, c'est le feu d'artifice. Ah, silence. Vous pouvez pas péter en paix en silence, pardon. Vous pouvez pas péter en paix, putain. Ça a aucun sens. Comme d'habitude. Ouais. Péter en paix, putain. Feu d'artifice. Feu d'artifice. Alerte. Il doit arrêter la drogue, Tad. Ça y est, il a compris. Cette salope, c'est barré. Il a eu une guerre comptable. Bah putain de comptable. C'est pas la vie. Qu'est-ce que t'as à rire comme ça? Tu t'amuses, hein? Le truc un peu exagéré. Cette salope est partie sans dire un mot. Cette salope m'a largué pour un putain de comptable. Bon écoutez, je suis pas venu pour attendre que j'aie envie de travailler. Tu dis enfin au ministre. Et t'as vu l'heure qu'il est, tu te fous de ma gueule. Ça fait
vie. Oui, parce que monsieur, dans son métier, a reçu un ministre. Oui. Quel ministre exactement? Le ministre de la ville et du logement. Voilà. Et en fait, ils étaient en train de déconner avant qu'il arrive parce qu'il était à la bourre. Explosivé. Ouais. J'imaginais le mec à l'accueil qui lui dit bah, t'as vu leur filet, pas que ça. Genre au ministre, après. Ah, c'est pour ça la réplique. Je suis pas venu pour attendre que vous ayez envie de bosser, monsieur le ministre. Je suis pas venu pour voir que vous êtes passé premier non plus. Eh non, c'est moi qui l'ai eu la caisse en filet. Oh, le filou, il a voulu me balancer une TNT. J'ai pas vu que t'étais derrière, c'est pas ma faute. Hein. Alerte. Je commençais à m'emmerder, monsieur Tenko. C'est pas ma faute. Mais sérieusement, c'est abusé ce qui vient de m'arriver. J'ai micro-touché le rail de sécurité, ils m'ont foutu hors course. Ça suffit les feux d'artifice. Non, on n'est pas le 14 juillet, on est le 13. Ouais. Les mecs, ils se sentent obligés d'en faire deux maintenant. Ça pour faire plaisir à des putains de cassos, sont en train de regarder des trucs péter dans le ciel. Putain. Allez, je vous jure, ça me donne envie de chier. Oh, j'en ai vu. Putain, mais le château qui est premier encore. J'en ai marre, j'aimerais bien avoir un peu de concurrence, putain. Ouais, tu vas voir. Tu connais les combats et tout? Les arènes? Je sais plus s'il y avait déjà dans l'ancien. La version d'origine. Parce que ça, je connais pas du tout, je sais pas du tout. Ça doit être, tu sais, du même style que les ballons là dans Mario. Ouais, bah je pense. Ou dans Splatoon. Si, je crois qu'il y avait, ça me dit quelque chose quand même. Je crois qu'on a plus aucun viewer là. Bah, il y a 5 viewers au compteur, 6 même de ce côté-là, donc il doit y en avoir un sur une autre. Il y en a 5 sur un écran et 6. Oh putain, là. Oh, regarde le joli truc. Ça a l'air bien. Voilà les gens qui sont venus stocker sur le stream. Tu peux voir qui essayait de venir voir. C'est rigolo. C'est rigolo mais c'est salaud. C'est rigolo mais c'est salaud. Les gros cons quoi. Là si t'as des viewers random qui débarquent à ce moment là, il y a des sûrs qui vont pas rester quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais d'accord, en fait au milieu il y a un tapis roulant qui accélère mais avec. C'est ce que je voulais te montrer. Non! T'inquiète pas, moi je suis tombé dans le trou. Non, Denis. Et sympa, c'est tombé dans la marmite quand tu étais petit. Je suis tombé dans la marmite quand tu étais petit. Obélix, non. Réchauffez la gomme. Bah, pousse-toi ça. Même pas. Vas-y, passe premier. Pourquoi cette incitation? Pour voir. Genre, en vrai, je t'aide, quoi. Non, je l'avais pas vu, cet enculé. Oh, tu t'es prêt. Tu peux pas pris le timer, du coup. Espèce de chat-boule de merde.
Merde. Je veux des points. T'es vraiment une pute. Ça. Ça, il. C'est pas fini. C'est pas terminé. Ah, il reste un tour encore. Et non, c'est circuit. Hors de ma route. Hors de ma route. Sur ma route, oui. C'est dangereux là de dire ça. On est trois pour gagner. Enko est lâché. Ah non, il est... Non, non, je vous en prie. Je vous en prie. Allez, un bon item. Ouais, super. Oui. Putain, l'enculé de fils de pute. Il a éclaté et je me suis pris l'explosion aussi. Bouf. Continuez de jouer comme ça. C'est trop loin, là, c'est pas possible. Oh, les scores de merde. Dans une arène de merde, avec des cartes de merde. Il faut que je fasse un perfect, monsieur. C'est pas ma faute, Pink Floyd, il triche. Ouais, les viewers sont endormis, hein, c'est fini. Ça a pas marché autant que je le croyais, Crash Team Racing. Mais peut-être, comme dit, dû aussi au soir qui est pas... Oh, hey, c'est tes viewers qui sont cons. On a de la chance, ils sont pas là. Ils regarderont peut-être la rodie. Ah, merde. Oh, oh. Mais sérieux, il y a un truc au milieu, je me le prends. C'est ça qu'on veut voir. Pas si on veut le voir. Hein. J'aurais dû attendre que tu atterrisses pour activer ça. Mais merde. C'est parti, mon kiki. Ah bon. Ah l'enculé, je n'ai pas ce trophée. Tu le veux ? Tu l'auras pas. Mais ben, la lumière. Voilà, voilà, voilà. Et tu vois où je me le chope? Tant mieux. Il faut que le jeu m'aide. S'il vous plaît, un bon item. T'as pas besoin d'aide. T'as trop de points. Ça, je voulais faire un perfect, quoi, et aller encore du temps. Qui a fait ça? Quel gros con qui a fait ça, là? Vous allez me le payer? Une aberration. Ouh, ça me brûle les moustaches.
Je cherche la merde apparemment. T'es vraiment un enculé quoi. Tiens. Et tu commences vraiment à te casser les couilles quoi. Mais non, mais ça se passe bien pour toi, t'inquiète. Oh, il a pris l'autre côté. Oh, le filou. Ah, j'ai pris à droite. Regarde, mais regarde où je me prends. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, putain. C'est parfait. C'est tout calculé. Sérieux, quoi. Du moment que ça emmerde Pink Floyd. C'est parfait. Je suis le meilleur. Bah il est où ton perfect? Ouais, bah, à cause d'enculé qui m'a attendu que je passe devant. Non, j'ai pas fait ça moi. J'ai appuyé sur rond complètement par hasard. Ouais, mon Dieu m'a doublé. Pique-moi quand je suis passé devant. Bah c'est un hasard. Là, j'ai que 8 points quoi, c'est malheureux. T'as plein pas, t'as 27. T'es premier. Vas-y, ça mérite un peu plus de vitesse. Ouais, je crois que ça va être l'heure. Hein. Je vais aller pisser de toute façon. Pourquoi il y a de l'orage? Pourquoi? Attends, il faut que t'entendes quelque chose. Quoi? Attends. Dingo, dingo, dingo! Putain, ça pète. Dingo, dingo, dingo. Grand homme. C'est un grand homme. J'avais adoré ce boss, non. Et il avait la voix de Chirac dans l'original. Non. Enfin, ça non. Faisait une voix un peu à la Chirac. Adieu, petit. Mangez des pommes.